Hey, vous tombez bien, j'ai une petite question pour vous. One to Switch, ça vous dit quelque chose? C'est la compilation de mini-jeux qui accompagnait l'arrivée de la Switch. À sa sortie, les médias ont surtout mis en avant son ambiance malaisante, en même temps, c'est vrai que parfois, c'est un peu gênant. Puis tout le monde est passé à autre chose, un petit peu aidé par des jeux disons plus attendus. Mais si je vous dis qu'au-delà de son contenu pas forcément mémorable, One to Switch est en fait un excellent objet de design ainsi qu'un jeu super innovant. Si je vous dis que One to Switch est autant un party game qu'une pièce de théâtre interactive, et qu'il a autant de points communs avec Nintendo Land et Wii Sports qu'il en a avec des jeux de danse joués à un niveau pro. C'est probablement bizarre, mais on va voir ça tout de suite. Comme je le disais il y a quelques secondes, One to Switch est une compilation de mini-jeux sortie en mars 2017, soit en même temps que la Switch. Il comprend une vingtaine de concepts jouables à deux joueurs, que ce soit dans le mode salon ou dans le mode portable de la Switch. Ça, c'est la description côté consommateur. Mais pour Nintendo, One to Switch représente bien plus que ça. Déjà, et de manière assez évidente, il suit la tradition des compilations de jeux qui accompagnent chacune de leurs consoles depuis maintenant 10 ans. La Wii avait son Wii Sports, la Wii U son excellent Nintendo Land, et la Switch a son petit One to Switch. Ces jeux ont à chaque fois un double rôle. D'une part, ils sont le porte-étendard du jeu social, voire familial, celui qui a touché le grand public et fait le succès de Nintendo pendant l'ère Wii. D'autre part, ils permettent à Nintendo de démontrer toutes ses innovations design et techniques au sein d'un même jeu. Aussi bien pour le consommateur, à qui on promet plein de nouveaux usages, que pour ouvrir la voie et donner une base de travail aux autres développeurs et éditeurs, qui sont parfois un petit peu timides. One to Switch remplit plutôt bien ce rôle, puisqu'il éveille la curiosité grâce à des concepts simples, dont on imagine très bien des versions plus développés. À part le NFC qui reste plus ou moins réservé aux Amiibo, toutes les technos qu'on trouve dans les Joy-Con sont représentées dans ces concepts. On a de la vibration bien plus fine que chez la concurrence, du gyroscope utilisé de manière ultra précise, de l'accéléromètre classique mais non moins efficace, de la détection de forme via infrarouge et des concepts qui combinent un petit peu tout ça. En gros, on peut dire que One to Switch est un outil marketing qui vend les technos de sa console aussi bien aux joueurs qu'aux développeurs. Ensuite, One to Switch s'ancre dans la volonté qu'a Nintendo de créer des interactions sociales directement dans le salon et pas seulement dans le jeu. En 2006, la Wii casse les schémas classiques des consoles en étant moins puissante, mais aussi bien plus facile à utiliser que ses concurrentes. Grâce à la Wiimote, il est possible de créer des jeux à interface mimétique, c'est-à-dire des jeux avec lesquels on peut interagir en utilisant des gestes et des actions du quotidien. Par exemple, faire un geste de lancer pour lancer une boule de bowling. C'est simple et facile à imaginer, ce qui ouvre la console à un public bien plus large, un public auparavant exclu du jeu vidéo et de ses manettes un petit peu aliens. Je vais pas trop rentrer dans le détail, mais si l'histoire du jeu casual vous intéresse, Thomas de Game Spectrum a fait une excellente vidéo sur le sujet. Les jeux à interface mimétique ont aussi pour effet de changer la perception qu'on a de la relation jeu-joueur. Au lieu de se focaliser uniquement sur l'espace 3D du jeu, là où se trouve la simulation et l'espace 2D de l'écran qui nous communique directement les informations, il réinjecte de l'importance dans l'espace physique du joueur, celui dans lequel on bouge et on manipule le contrôleur. Avec cette transformation, regarder quelqu'un jouer devient intéressant et amusant, puisqu'il y a une continuité entre l'espace physique du joueur et l'espace 3D du jeu. Faire un geste de swing devant Wii Sports, c'est le voir se faire imiter puis continuer dans l'espace 3D, dans lequel il va ensuite produire un résultat. L'activité du jeu devient ainsi plus ouverte et plus sociale, puisqu'il est plus facile de s'y projeter. À ce stade, l'écran reste toutefois nécessaire puisqu'il apporte une grande quantité d'infos. L'attention des spectateurs est alors partagée entre le jeu et la performance des joueurs. One to Switch est une évolution directe de ce principe de joueur-acteur. Dans pas mal des concepts qu'il propose, il demande aux deux joueurs de se faire face au lieu de regarder l'écran. Pour ces jeux, les quelques informations nécessaires sont livrées par le son et la musique. Tandis que les joueurs doivent prendre des pauses, imiter des gestes et jouer des rôles. Le fait de demander explicitement aux joueurs de se regarder dans les yeux les oblige à se mettre de profil. C'est une configuration qui les met littéralement en spectacle devant les non-joueurs. One to Switch est donc un jeu vidéo qui retire totalement l'attention portée habituellement au jeu et à l'écran, et qui la replace entièrement dans l'espace physique des joueurs. Et en ça, c'est un jeu assez unique. Il met deux personnes dans des situations parfois un petit peu gênantes, mais qui sont en fait assez drôles et qui prennent tout leur sens quand on se met dans la peau d'un spectateur. Bien sûr, c'est loin d'être le premier jeu où les gens se donnent en spectacle. Guitar Hero, les jeux de danse, les jeux de sport, ils peuvent tous créer des situations amusantes à regarder. Certains jeux comme la série des DDR sont même pratiqués de manière purement esthétique, en oubliant le score et en cherchant à créer une chorégraphie agréable à regarder. Mais on peut dire de One to Switch qu'il va un petit peu plus loin. Il utilise ses règles et mécaniques pour créer des situations qui sont propices à la performance et à l'acting. Et je trouve ça super intéressant de se dire que cette évolution de design est en partie due aux contraintes de la console.
On va détailler un petit peu. Une des grosses features de la Switch, c'est sa portabilité. On peut l'utiliser partout. Le petit souci, c'est la taille de son écran. Ça rend difficile la lecture de jeu sans être à moins de 50 cm de l'objet. Or, One to Switch est un jeu motion, dans lequel il faut bouger. Ça veut dire s'écarter de l'écran pour avoir de la place, au risque de ne pas voir grand chose. Dans ce cas, c'est facile de comprendre que Nintendo ait voulu limiter au maximum l'utilisation de l'écran. Ensuite, la Switch à sa sortie était vendue au prix fort, et il était peu probable qu'après un tel achat, les consommateurs aient encore envie de mettre 80 boules, ah oui quand même, pour une paire de Joy-Con supplémentaires. Et pourtant, il était nécessaire d'avoir une compile de mini-jeux, et ce pour les raisons évoquées un petit peu plus tôt. Mais un party game, ça tire toute sa force du multijoueur, si possible à plus de deux. Je pense que ça, combiné à la contrainte de l'écran, a aiguillé One to Switch vers sa version actuelle, c'est-à-dire un jeu qui met deux personnes en spectacle pour amuser des spectateurs potentiellement plus nombreux. Je me suis un petit peu étalé, mais on va résumer rapidement tout ça. Qu'on trouve ces mini-jeux bons ou mauvais, One to Switch est un objet de design assez unique et vraiment pensé autour de la Switch. Il met ses règles, son ambiance malaisante et ses mécaniques de la gêne au service d'un spectacle que tout le monde peut apprécier. Tout ça en capitalisant sur 10 années d'expérience Nintendo dans le motion gaming, en faisant disparaître les contraintes liées à sa console d'accueil et en vendant assez bien les possibilités de la Switch. Et en fait, que vous l'aimiez ou non, One to Switch, c'est 1 million d'unités vendues, alors je peux vous dire que Nintendo doit être plutôt content. Bref, tout ça méritait bien qu'on prenne 5 minutes, histoire de se rappeler un petit peu du pauvre petit One to Switch. Tenez une petite médaille, vous avez tenu jusqu'au bout de l'épisode. Comme d'hab, merci à tous les tipeurs qui soutiennent financièrement la chaîne et dont une partie des noms s'affiche à l'écran. Vous pouvez aussi soutenir Game Anatomy avec un simple like, partage ou même en commentant la vidéo. Pour terminer, je vous conseille la chaîne de Ashikara, qui fait une super émission sur les premiers niveaux des jeux. Sa dernière vidéo sur Minecraft est vraiment ouf et hyper bien réalisée. Foncez voir ça. Moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau Game Anatomy, et en attendant, vous pouvez me suivre sur Twitter ou sur Facebook. Tchuss !